Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vous montre deux astuces très importantes lorsque vous manipulez ou vous travaillez avec un tableau composé de plusieurs lignes et plusieurs colonnes comme dans cet exemple. Comme vous voyez, il y a plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Le problème est que lorsque je descends vers le bas, comme ça, je ne peux pas voir la première colonne qui est l'entête, voilà, qui contient les titres des colonne. Et parfois, il est nécessaire de voir, par exemple, ici, je veux savoir c'est quoi cet ensemble de chiffres ou c'est quoi cette information. Alors, je dois retourner vers le haut. C'est pas très pratique. La solution est de fixer la première ligne avec l'onglet affichage, puis figer les volets. Voilà, figer les volets. Mais on veut figer seulement la première ligne, donc je choisis figer la ligne supérieure. Et comme ça, voilà, lorsque je descends vers le bas, la première ligne reste toujours affichée. Si je veux libérer l'affichage, voilà, libérer les volets. Maintenant, lorsque je descends, la première ligne se disparaît. La même chose, je peux faire ça avec la première colonne. Je clique ici, dans la première colonne ou la première cellule A1. Et je clique sur figer la première colonne. Et comme ça, lorsque je défile vers la gauche, la première colonne, qui est la colonne des noms, reste toujours affichée. Si je veux libérer, la même chose, libérer les volets. Ici, je veux fixer les deux volets, c'est-à-dire la première ligne et la première colonne. Je dois sélectionner la cellule B2, puis figer les volets. Et donc, lorsque je descends vers le bas, je peux toujours voir la première ligne. Et lorsque je défile vers la gauche, je peux voir la colonne non. Pour libérer, clique et libérer les volets. Voilà. Bon, une autre astuce où on peut diviser la fenêtre, cette fenêtre, en deux ou plusieurs parties. Ou deux ou plusieurs fenêtres. Ou je peux, dans ce cas, manipuler ou se défiler dans chaque fenêtre d'une manière indépendante. Bon, je dois choisir tout d'abord le niveau de division, la ligne 8 ou la ligne 12 ou la ligne 15. Bon, je choisis la ligne 10. Je clique, puis le bouton fractionner dans l'onglet affichage toujours. Et comme résultat, vous voyez, je peux se déplacer dans cette partie ou dans cette partie d'une manière indépendante. Voilà, comme ça. Pour annuler la fraction, je clique une autre fois sur le bouton fractionner. Il y a une autre méthode où je peux diviser la fenêtre en quatre parties. Je clique au centre de tableau, voilà, comme ça. Puis, je clique sur le bouton fractionner. Voilà, c'est comme le symbole ou le signe plus. Voilà, cette partie. Je peux se déplacer comme ça. Et pour annuler la fraction, je peux soit cliquer sur le bouton fractionner ou je mets le curseur de la souris ici, puis double-clic. La vidéo est terminée. Merci pour votre attention et au revoir.